Prélude à la semaine de l'allaitement maternel, édition 2017, placée sous le thème « Ensemble, protégeons l'allaitement ». La ministre de la Santé publique, Ngarbatna Carmel Soukat, a fait une déclaration. Au cours de sa communication, la patronne en charge de la santé publique interpelle les mères tchadiennes à allaiter exclusivement leur progéniture pour leur bonne santé. Suivez la ministre de la Santé publique. Le Tchad, notre pays, à l'instar des autres du monde, célèbre du 7 au 12 août la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, édition 2017. C'est l'occasion tout indiquée pour nous de rappeler l'importance de l'allaitement maternel qui, au-delà d'être l'aliment le plus complet pour le nourrisson et le jeune enfant, le protège et raffermit les liens entre la mère et l'enfant. L'allaitement maternel réduit également les dépenses des ménages. C'est pourquoi, pendant les 6 premiers mois de sa vie, pour son plein potentiel de croissance et de développement, il est recommandé que l'enfant soit exclusivement allaité par sa mère. En dépit des efforts consentis par le gouvernement, sous la clairvoyance de Son Excellence le Président de la République, Idriss Déby Itno, force est de constater, hélas, que le taux de l'allaitement maternel exclusif reste encore trop faible en comparaison avec la moyenne observée dans la sous-région. Aussi, à en juger par les résultats de l'enquête EDST MIX 2014, moins d'1% d'enfants âgés de 0 à 5 mois est exclusivement allaité au sein. Cette situation inquiétante compromet non seulement la santé des enfants, mais également le développement social et économique de notre pays. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, organisée chaque année au mois d'août dans plus de 170 pays, offre pour nous une occasion d'attirer l'attention de nos concitoyens sur l'importance de l'allaitement maternel et plus particulièrement l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel demeure le maillon essentiel dans la protection de l'enfant. C'est pourquoi le thème de la Semaine mondiale est « Ensemble, protégeons l'allaitement ». Pour concrétiser un tel objectif, il est crucial d'informer, de soutenir et de protéger l'allaitement maternel pour que chaque enfant bénéficie de ce droit. À cet effet, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec tous les acteurs, ne ménagera aucun effort pour protéger, promouvoir et encourager l'allaitement maternel au-delà de la symbolique que représente cette semaine. Je voudrais une fois de plus vous encourager, surtout les mamans, à faire de l'allaitement maternel et plus particulièrement de l'allaitement maternel exclusif des enfants de 0 à 6 mois, une réalité dans notre pays.